Cette vidéo est complètement, mais alors elles sont toutes improvisées mes vidéos. Mais disons que celle-ci n'était pas du tout prévue au programme. J'ai mon homme qui vient d'arriver du boulot là. Il est 18h, un petit peu plus de 18h. Et donc il arrive avec mes bouquins qu'il m'achète toutes les semaines. Et puis, il arrive avec deux paquets. Alors, il me dit, t'avais commandé quelque chose? Je dis, non, j'ai rien commandé du tout. Donc, je me retrouve avec deux paquets. Mais voilà, il y a deux paquets à ton nom. Donc, voilà. Alors, donc, j'ai eu un... Enfin, j'étais surprise parce que je n'attendais pas du tout de paquet. À la rigueur, j'attendais une carte postale. D'une gentille petite abonnée, mais j'attendais pas autre chose. Et excusez-moi parce qu'en ce moment j'arrête pas de tousser comme d'habitude. Donc j'en reviens à mes boutons. Je me retrouve avec, alors je vais mettre un papier devant quand même. Je me retrouve avec une enveloppe adressé à moi, voilà, et une enveloppe qui m'est adressée de ma jolie rose, comme je l'appelle tout le temps. Alors là, je suis, mais alors doublement surprise parce que elle est épaisse et j'attendais absolument rien du tout d'elle, donc je suis complètement énervée là. Je suis contente, je suis énervée. Et alors, il me donne donc une deuxième enveloppe, plus lourde encore. Alors, voilà. Une deuxième enveloppe. Alors, épaisse. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je regarde. Et cette enveloppe vient de Gisèle. Gisèle. De qui j'attendais une petite carte postale. Je disais, bon, oui, je te donne mon adresse. À la rigueur, si tu veux m'envoyer une carte, envoie-moi une carte. Je me retrouve avec un énorme paquet. Donc là, j'ai plus de mots et encore, je n'ai pas ouvert. Donc, vous me faites des émotions, les filles, hein, parce que c'est horrible. Je suis tellement contente. Et quand je pense que en fin de compte, on se connaît même pas comme ça en vrai, et puis que vous m'envoyez des enveloppes, alors moi j'ai hâte, hein, j'ai hâte de les ouvrir. Et puis que bon ben c'est alors ça, moi j'en reviens pas, parce que ça a une valeur inestimable ce que je reçois. J'ai pas encore ouvert. Donc là, j'ai même pas de mots. Voilà, j'ai pas de mots. Voilà, je suis tellement contente que j'ai pas de mots. Je me dis, mais pendant des années, j'ai cru à une certaine amitié, et en fin de compte, eh ben, je me rends compte que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter, hein, malgré les promesses que avec des hauts et des bas, mais on resterait amis avec les gens toute notre vie. Non, ben voilà, un jour ça s'arrête. Et des gens qu'on ne connaît pas et qui vous offrent des cadeaux, mais gratuitement, sans rien demander, je leur ai rien donné. Je suis même gênée parce que je n'ai jamais. Je donne rien et je reçois. Alors ça c'est monumental. Eh ben moi qui me dis toujours je crois pas beaucoup à l'amitié, hein, jusqu'à présent je par l'intermédiaire de YouTube, je suis longue, hein, mais j'ai besoin de l'expliquer. Par l'intermédiaire de YouTube et de Facebook, je disais j'ai découvert une fille formidable, une amie, donc ça c'est tout le monde sait que c'est Coco, et on s'est vu en vrai, et ça a confirmé ce qu'on pensait, et pourtant on est deux caractères forts, hein, mais malgré tout,
Et ça a confirmé que des vraies amitiés peuvent naître comme ça, là, sur des réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est beau. Voilà, parce que des amitiés en vrai, des fois, on est vachement déçus. Et on entend tellement des choses abominables qu'on se dit, mais on a dû jamais être amis avec ces gens-là. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Ça, c'est le passé. Maintenant, c'est la vie est autre chose. Et je vais ouvrir mes paquets. J'ai assez causé. Alors, je vais commencer par le paquet de ma petite rose. Ah, j'ai quelque chose avec des bulles. Ouh, mon Dieu. Si c'est ce que je pense. Ah. C'est magnifique. Alors, ça va aller rejoindre dans ma vitrine là-bas, qui vous voyez. Dans cette vitrine, j'ai tous mes souvenirs regroupés. Cette vitrine, c'est un trésor, là. Voilà. Alors. Là, c'est un petit mot pour moi. Non, mais je fais rien du tout. Mais je fais rien, justement. Donc, franchement, c'est trop gentil, c'est trop gentil. Oh, qu'est-ce que je lis entre parenthèses? Oula. Oula. Alors là. Mon Dieu. Comment ça s'ouvre? Comment ça s'ouvre? Je viens de lire deux noms. Je pense que je vais y tirer. Je n'ai pas le temps d'y ouvrir. Oh, waouh, voilà. Oh, alors ça. Oh là là. Oh, mon Dieu, c'est beau. J'ai même pas encore défait le paquet. J'y vois à travers. Oh, c'est magnifique. Alors, ça, je suis sûre, c'est le quartz rose. Oh, que c'est beau. Oh là là. Alors, moi, je pense que tout le monde est au courant que moi et les pierres, j'adore ça. Hein. Alors, je pense que... Ça, je vais le mettre autour de mon cou. Le quartz rose. Alors, j'avais pas de quartz rose, moi. Ou alors si j'en avais, j'avais une petite pierre, certainement dans mon bracelet, là. J'ai un bracelet avec plusieurs pierres, et ces pierres, elles ont au moins largement 30 ans. Et je pense que ça doit être un quartz rose. Oh mon Dieu, mais c'est magnifique. Alors, dans le temps, quand je travaillais, j'avais plein de bijoux comme ça, là. Donc, on m'appelait et on me disait, t'es garni comme un sapin de Noël. Je m'en foutais d'être garni comme un sapin de Noël. Ça, j'ai toujours été comme ça. Eh bien, en vieillissant, il faut être plus discret. Il faut moins se charger. Parce que ce qui est discret, c'est plus joli quand on est vieux. Eh bien, moi, j'en ai rien à foutre. Parce que j'en ai partout. Voilà, tiens. Et j'ai mes vieux bras qui sont tout ramollos, hein, mais en attendant, je m'en fous. J'ai mes bracelets de tous les côtés, les boucles d'oreilles, j'ai toujours mes 6 boucles d'oreilles, et j'ai des colliers. Et plus ça va, plus j'ai des pierres. Oh là 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 là. Alors ça, c'est un cristal de roche. Je vais finir par donner la définition. Et alors ça, je ne connais pas du tout. Et je sais le nom, oui. Mais je absolument pas connaître cette pierre-là. Elle est magnifique. Alors, cette pierre-là, c'est une obsidienne. Je fais le pendule, tiens. Voilà. Une obsidienne. Elle est magnifique. Elle est noire avec
des taches gris clair dedans. Elle est magnifique. Et en cœur, en forme de cœur. Alors ça, mais c'est joli. Et en plus d'être joli, c'est vraiment... Ah non, mais pourquoi je reçois ça? Je vais dire que c'est mon anniversaire avant l'heure bientôt, hein? Oh là là! Oh là, c'est magnifique. Puis alors, moi, je les mets toutes, hein. Ben, si avec ça, je suis pas protégée du mauvais sort, hein. À moi, la peur. Oh, c'est magnifique. Écoute, ma petite rose, je n'ai pas de mots. Je te remercie, je t'envoie plein, 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 plein de bisous. J'ai pas de mots, voilà. Parce que c'est trop beau, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu m'envoies des bijoux comme ça. Alors, moi qui suis fan des pierres, alors là, eh ben, deux pierres de plus. Et en plus taillées magnifiquement. Oh, c'est trop joli. Oh, je les garde. Voilà. Je les garde. Eh ben, merci. Je te fais plein, plein, plein de bisous. Merci, 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 merci. C'est trop gentil. Je vais dire que je suis gâtée, que c'est incroyable. Voilà. Bon, mon petit mot, je le garde pour moi. Et ça, c'est magnifique. Ah oui, parce que là, c'est un truc où tout est regroupé là dans cette pièce-là. Et toi, tu le sais en plus que tout est regroupé. Alors, ça, c'est rose. Voilà. J'arrête pas d'y regarder. Oh, je suis trop contente. Suis trop contente. Et puis alors, j'ai ce gros paquet de Gisèle. Alors, moi, je sais pas, moi, ça me gêne parce que, en fin de compte, elle regarde mes vidéos, cette petite nana. On se connaît, mais pour ainsi dire, pas quoi. Enfin, moi, elle me connaît mieux parce qu'elle regarde mes vidéos, mais moi, je regarde pas les siennes. Je regarde pas les siennes. Alors, elle me met toujours de gentils commentaires. D'ailleurs, je dois reconnaître que je n'ai jamais de méchants commentaires. Ça, c'est vrai, je tiens à le dire. Je n'ai pas de méchants commentaires. Peut-être qu'il y en a qui vont se réveiller du fait que je dise ça, mais c'est vrai que je n'ai pas de méchants commentaires. Voilà. Oh, ça, c'est pareil, il faut que j'y ouvre. Oh. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai là-dedans? Moi, je déguise, hein? Je déguise. Je suis pas patiente, là, moi, pour ouvrir. Ouh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh là 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 là. Voilà. Alors, bon. Oh. Voilà tout ça. Voilà tout ça. Voilà. 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 Oh. Eh ben, Gisèle. Heureusement que tu devais m'envoyer une carte, hein. La carte, elle est volumineuse. Mais vous êtes folles, les filles. Mais je mérite pas tout ça, franchement, hein. Moi, je suis qu'une pauvre vieille dans mon coin, là. Qui fait rien d'extraordinaire. Alors, oh, franchement, non, c'est trop. Alors, là, je vais vous faire voir le paquet, et après, je vous vais voir en détail. Voilà le paquet. Voilà tout ça. Alors, ma petite rose, les bijoux que j'adore. Et alors, Gisèle, qui me connaît à travers les vidéos. Et qui sait que je mets ces au scrap? Alors, ce n'est pas des chefs-d'œuvre hein, que je fais. Mais bon, ça a l'air de plaire. Alors, ma patente, je fais des heureux, hein. Je fais des heureux. Alors, voilà ce que j'ai. Alors, ça, en plus, j'en ai pas. Je n'ai pas ça. Les petites coccinelles, j'adore. Tout est beau. Alors, là, c'est des enveloppes. Alors, des petites enveloppes.
Alors, les petites enveloppes, je pense que ça doit être, on dirait un ATC. Oh! Voilà. Oh ben, ça, alors elle sait que j'aime, que j'adore. Alors, la petite enveloppe, magnifique. Et voilà l'ATC. Alors, ça, c'est magnifique. Ça me fait penser à... Voilà. On dirait qu'elles se sont donné le mot. Et alors, j'ai le 1 sur 1. Ça veut dire que je suis la seule à l'avoir. C'est trop beau, ça. J'adore ça. Mais alors, dis donc, est-ce que tu es forte, hein? Alors, un deuxième, une enveloppe rose. Ah non, moi je sais pas faire des jolis trucs comme ça, hein. Oh, que c'est mignon! Comment tu sais que c'est mon anniversaire bientôt là? Et en plus, avec un énorme gâteau. Oh, c'est beau. Oh, j'adore. J'adore ça, ces histoires d'ATC là, j'aime ça. Hein. Un sur un. Alors, voilà, regardez bien, c'est unique. Il n'y a que moi qui l'ai. Et avec joyeux anniversaire. Pourtant, je ne me souviens pas d'en avoir parlé, mon anniversaire. Je dis toujours, je suis vieille, j'ai 71 ans, mais je ne dis pas la date. Découpe pour faire un album bébé. Oh mon Dieu, que c'est gentil! Oh, parce qu'alors, oh ben alors ça c'est magnifique, un album bébé. Alors ça tombe bien, ça peut pas mieux tomber, parce que j'ai une de mes petites belles-filles qui vient d'être grand-mère pour la première fois, Cathy qu'on connaît mieux, c'est fait. Elle est grand-mère depuis un petit moment, mais ma Lolo, elle vient d'être grand-mère juste maintenant. Et je dois lui faire deux albums. Donc, je vous ferai voir un peu l'ébauche. Donc, deux albums pour son petit-fils, donc, Matisse. Et je manquais, comme moi, j'ai pas les instruments pour les découpes et tout, je manquais de déco. Et il y a des décos qui sont magnifiques. Voilà. Alors là. Voilà, j'ai fait avancer mon pull noir. Tiens. Et bien alors ça me fait penser à Chantal qui m'a envoyé plein de découpes aussi. Et que je vais me servir pour... Oh, oh c'est trop beau. Alors je ne vous sors pas tout ce qu'il y a dedans parce qu'il y en a un tas. Je ne vous dis pas le nombre. Le nombre, hein, l'épaisseur. Il y a des petits rubans en tissu. Avec... Oh non, c'est beau comme tout. Voilà, ça je vais regarder ça. Oh la petite, je sais pas comment ça s'appelle ce qu'on met au bébé là. Je sais plus comment ça s'appelle. Les miens bébés, ils ont plus de 50 ans. Alors ensuite, un autre paquet. Petite fleur au crochet et cadre et deux petits chapeaux. Oh, oh ben alors on va regarder. Et ça doit être elle qui le fait tout ça. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein? Alors, au crochet. Alors, moi, dans le temps, je tricotais. Oui, on faisait tout dans le temps. Hein? On tricotait, on crochetait. Oh, que c'est beau. Mais là, je ne saurais plus faire. Il y a longtemps que j'ai plus fait de crochet. Un petit cadre au crochet. On dirait de la dentelle. Hein? Franchement. Alors, ça. Un plus petit. Alors, elle a mis deux petits chapeaux. Alors, il faut que je les trouve, ces petits chapeaux. Ah, je crois que j'en ai un. Ah, j'ai les deux. J'ai les deux. Voilà, qui sont beaux. Voilà, qui sont beaux, ces petits chapeaux. Oh, je sais pas comment les faire voir. Voilà, comme ça, on les voit bien. Des petits chapeaux crochets. Magnifique. Oh, ben, c'est trop beau. Voilà, mais il faut être une artiste pour faire ça. Et le petit bleu. Le petit chapeau bleu. Je vais le mettre au bout de mon vieux doigt. Ben non, il rentre pas. Oh.
un petit chapeau bleu. Oh, c'est trop mignon. Et alors, plein de petits napperons. Enfin, c'est des embellissements, hein. Moi, j'appelle ça des embellissements, mais c'est des napperons miniatures. Alors, ils ont tous des perles. C'est trop mignon. Voilà. Alors, je vais les aplatir un petit peu pour pouvoir vous les monter. Regardez donc. Et je vous dis pas l'épaisseur qu'il y a, hein. Oh, c'est beau. Magnifique. Mais il fallait pas m'envoyer tout ça, hein. Parce que là, j'ai au moins 6-7 paquets. Des petites fleurs. Couture au point avant. Puis serré. Bon. Parce qu'il y a toute l'explication à chaque fois. Oh, c'est trop beau. Moi, j'adore. Hein. Oh, ben, ça, c'est de la couture, ça. Ça, c'est vraiment de la couture. Alors là, franchement, elle est forte. Hein. Franchement, alors là, je vous refais voir une autre fois. Des fleurs en tissu, hein. C'est tout en tissu. Et les petits boutons, on dirait des bijoux. Hein. Des capsules altérées. Alors, les capsules altérées avec le crochet autour, le tissu autour. Alors, ça, c'est superbe aussi parce que moi, j'ai essayé d'en faire. J'ai demandé à mon homme de m'écrabouiller des capsules de bière. J'en avais plus de carrés que de rondes. Ou j'en avais plus de dessin du tout. Ben oui, parce que je lui avais pas demandé... les écraser délicatement. Donc, ah ben, c'était bien plate, hein. Alors, moi, j'avais réussi à faire un petit truc comme ça, en collant une fleur, voilà. Mais alors, là, c'est vraiment un boulot d'artiste, hein. Moi, j'admire. Parce que c'est très, très beau. Oh là, c'est magnifique. Magnifique. Avec des perles là-bas, ça, des perles, des brillants, tout ce que j'aime. J'oserais même pas y mettre dans les albums. Ah, alors ça, j'adore parce que ça, c'est moi. Voilà, j'ai le même sac actuellement. Hein. J'ai le même sac. Bon, bah, les chaussures, c'est... Je les ai toujours, mais c'est le rêve. Je les mets plus. Je les regarde. Je peux plus mettre les souliers à talons maintenant, j'ai trop mal aux genoux. Ah oui, bah oui. Et alors là, je peux même pas dire tout ce qu'il y a. Je peux pas tout y sortir. Mais alors voilà l'épaisseur. Toutes des découpes. Mais alors c'est tout est magnifique dans ces découpes là. Franchement. Oh, ça c'est tout des trucs de bébé, on dirait. Voilà. Voilà que c'est beau. Voilà. Oh, ben alors ça va être, mais alors, je vais pouvoir en coller quelques-uns sur l'album que je vais faire et que je suis en train de faire. Voilà, tout ça. Et alors ça, là... Ça, c'est toi qui l'as fait, je pense. Hein. Mais c'est autre chose que moi. Hein. Parce que moi, j'ai essayé d'en faire, hein, mais c'était pas bien réussi. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Je sais pas comment y faire voir. Tiens. Là, j'ai des capsules. Ah, et j'ai les petits dessins qui vont avec, que je peux découper et pour que je peux mettre. Voilà. Et alors, il y a décrit des petites choses pour t'amuser. Ah ben oui. Ça, j'ai de quoi, là. Mon Dieu, que c'est beau. Voilà que c'est gentil, mais vous êtes adorable.
Mais je suis embêtée parce que c'est vrai que je m'attendais pas à boire ça. Alors, ah, je vais retourner du mauvais côté. Alors, dans une enveloppe rose, je découvre ça. Alors, ça doit être une carte. À mon avis, c'est une grosse carte. Une grosse carte. C'est pas une carte postale, mais c'est une grosse carte. Alors, ça, c'est un petit mot. Ah non, c'est pas un petit mot, hein. Ah non, c'est pas un petit mot, c'est une grande lettre. Excusez-moi. Alors. Elle a vu ma vidéo où je disais que j'allais avoir 71 ans en juin. Ah oui, mais je m'en rappelais même pas. Alors, je la lirai. Je vais la lire toute seule dans mon petit coin. Bien sûr, bah bien sûr, tu peux m'embrasser. Moi, je t'embrasse très, 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 très fort aussi. Alors, je la garde de côté. Celle-ci, je la lirai quand je serai toute seule. Alors, voilà. Ça, c'est magnifique. Bordeaux. Alors, à mon avis, c'est une carte. Une grande carte. Alors, comment elle s'ouvre? Ça, je connais pas du tout. Ah, elle m'a mis des découpes dedans. Ah, c'est une carte. Avec, il y a des découpes à l'intérieur. Alors ça se baisse. Voilà. J'en ai baissé un. Ça se baisse. C'est magnifique. Oh, que c'est beau. Ça ira bien dans ma chambre à coucher. Ma chambre à coucher, elle est faite comme ça. Elle est blanche, rouge et elle est décorée avec des fleurs comme ça. Bon, alors ça c'est des découpes dans la carte. Alors, comment c'est faire? Comment elle s'ouvre? Je sais pas comment elle s'ouvre. Là, mon Dieu! Comment elle s'ouvre comme ça? Voilà. Ah mais c'est pas une carte. Oh que c'est beau. Voilà. C'est une boîte à explosion ça. Mais c'est magnifique. Mon Dieu que c'est joli. C'est pas des découpes qui s'en vont. C'est des découpes. Voilà. Oh que c'est beau. Alors ça j'adore. Voilà ce travail. Et ben là il y a du boulot, hein. Oh, ça me fait penser aux anciennes cartes, les cartes qu'on recevait pour la bonne année ou les anniversaires, qui étaient comme ça, hop, on les ouvrait, puis il y en avait partout. Oh là là, bah, alors là, alors ça, franchement, c'est magnifique. En relief, hein, tout est en relief. Et alors, je suis en train de voir que j'ai même cachou, là. Le petit canaillou, il est partout. Alors là, j'ai jamais bu ça, moi. Ça, c'est franchement, mais c'est magnifique. Alors ça va aller dans ma chambre. Hein. Ça restera comme ça, ouvert dans la chambre. Les couleurs vont trop bien aller. Mais quel boulot. Voilà, moi, j'ai honte à côté, moi, avec mes espèces d'albums, là. Oh, c'est magnifique, posé. Posé, c'est superbe. Écoute, Gisèle, franchement, j'ai pas de mots, ça fait comme rose. Je sais même pas quoi dire. C'est tellement beau. Franchement, je lirai ta lettre tout à l'heure parce qu'elle est très longue, donc tu dois m'expliquer beaucoup de choses.
Et je suis trop contente, et puis je sais plus quoi dire. Tiens, j'en suis toute dépeignée. Déjà que je suis pas peignée ce matin, je suis venue comme ça là. Je suis restée toute la journée comme ça. Oh là 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 là. Alors moi, je suis devant tout ça. On dirait que c'est la Noël. C'est la Noël. J'ai plein de cadeaux, plein de cadeaux, plein de cadeaux. De filles adorables. Adorables. Je peux que vous remercier, vous faire des milliers de bisous et vous souhaiter le meilleur pour vous parce que vous êtes la gentillesse incarnée. Hein. Et mes animaux là-bas derrière qui s'amusent, ils sont contents. Ils sont contents. Leur maîtresse est contente, donc ils sont contents. Hein. Ils sautent partout, ils font des andouilles là. Hein. Voilà. Là, ça vit à la maison. Voilà. Bon, alors, je vais arrêter cette vidéo-là parce que sinon je vais parler une heure. Ça fait déjà 19 minutes que je cause, même 30 minutes. Non, 30 minutes, 30 minutes. Oh là là. Mais là, je vais y regarder en détail. Je vais regarder en détail. Et puis, je sais pas quoi vous dire, hein, mis à part que franchement, je vous aime, les filles. Et puis, je trouve que c'est trop beau. Ben, des gens aussi gentils, des amitiés comme ça. Franchement, tout autant que vous êtes, toutes les filles, vous m'avez tout envoyé quelque chose qui me touche profondément parce que franchement, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Alors, ça va que je sais me contrôler, mais je saurais pas me contrôler, mais je serai en larmes. Je pleurerai de joie d'être gâtée comme ça, quoi, hein, parce que franchement, franchement, ben, on n'y croit pas. Au bout d'un moment, on croit plus en rien ou à très 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 peu de personnes. On sait sur qui on peut compter. Mais là, c'est la surprise est complète, hein, parce que c'est franchement deux paquets que je n'attendais pas. Je vous aime, je vous souhaite le meilleur. Et puis merci, merci mille fois. Et je vous embrasse, et c'est sincère. Franchement, c'est sincère. Et je vais monter ma petite vidéo. Et puis voilà. Et je suis heureuse. Voilà. Et ben, des fois, on est très, 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 très malheureux dans la vie. Et puis, ben, il y a des gens qui vous rendent heureux et qui vous donnent le sourire. Voilà. C'est ça, ça compte énormément dans ces cas-là. Donc, je vous embrasse. Je vous aime. Je peux rien dire d'autre. Mais je pense que vous voyez que ça me fait plaisir. Et je vous écrirai chacune en particulier. Bisous, bisous, bisous.